C'est une joie pour moi d'avoir organisé cette activité qui a donné un peu de sourire à quelques victimes de la dernière pluie diluvienne qui a fait des dégâts à Kananga. Et compte tenu de nos moyens qui sont vraiment limités, nous n'avons ciblé que des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des femmes déplacées, les jeunes filles aussi déplacées, les femmes vivant avec handicap et aussi les femmes chefs de ménage, étant donné que leur état de vulnérabilité et leur choc qu'elles ont subi lors de cette catastrophe naturelle. Je pense que nous avons aujourd'hui appuyé 102 ménages, 41 femmes allaitantes, 32 femmes enceintes, 7 femmes chefs de ménage, 14 filles déplacées et 8 femmes vivant avec handicap. Mais avant de leur émettre le kit, je pense qu'on avait sensibilisé ces femmes sur quelques aspects liés aux violences basées sur le genre, donc les formes, les causes, les conséquences et comment il faut orienter les survivants de violences sexuelles et celles basées sur le genre à des situations de prise en charge et comment il faut dénoncer. On a partagé même le numéro vert pour les rendre très efficaces lorsqu'elles sont en face de quelques actes de violence sexuelle. Et au-delà de cela, nous avons aussi rappelé les notions sur les abus et exploitation sexuelle, comment on peut lutter, comment on peut protéger les femmes. Elles sont déjà victimes de cette catastrophe. Sûrement, il y a des gens, les humanitaires, les personnes de bonne volonté qui peuvent venir en aide de ces familles en détresse, mais malheureusement, il y a toujours des gens de mauvaise intention qui peuvent venir pour échanger le sexe avec le bien. Alors, on voulait dire aux femmes que ces biens sont gratuits, donc lorsqu'on vient avec le bien pour vous donner et qu'on vous exige votre dignité, je pense qu'il faudra alerter rapidement aux structures de prise en charge pour arrêter cette hémorragie. Nous avons remis quelques kits de dignité, le kit de layette, les vivres qui étaient composés de lait, de sucre, de farine de manioc, de farine de maïs, de savon de lessive. Nous avons aussi donné des non-vivres qui étaient aussi accompagnés de habits des enfants, des habits de femmes, des habits de filles, de sacs. Je profite de l'occasion pour remercier vraiment de vive voix le partenaire UNFPA pour son partenariat très sincère et son appui matériel qu'elle a apporté auprès de ses survivants, tous de ses victimes pour soulager tant soit peu les femmes qui ont traversé des moments un peu difficiles et les filles qui étaient rescapées. Et nous disons aussi merci à la division du genre qui a présidé cette activité ainsi que la société civile. Nous lançons encore un appel très pathétique à toutes les personnes de bonne volonté, les autorités politico-administratives, les partenaires, les humanitaires, les ONG, les églises, les entreprises, les hommes d'affaires, de venir en aide ces familles qui sont en détresse.